les biches, on se retrouve aujourd'hui pour notre cinquième épisode de l'Animal Crushing Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, simplement, il est basé sur le jeu vidéo par Nintendo Animal Crossing qui a pour but en fait de développer une ville. Et là, dans notre cas, il faut compléter le musée en fait avec différentes choses. Donc nous avons par exemple les grenouilles, les fossiles, les cristaux, les pierres, mais également aussi les trophées My Sims. Voilà, également aussi les poissons que j'ai oublié de dire, qui sont très importants, les poissons. Donc voilà, donc développer cette partie de la mairie, mais également la ville, en ayant donc de nouveaux habitants. Donc là, nous sommes deux habitants, il en manque un dernier, et on aura rempli ce challenge, mais aussi, voilà, d'autres défis, comme par exemple se marier, avoir un enfant, etc. Donc voilà un petit peu le résumé du challenge. Donc lors du dernier épisode, on s'était plus focalisé donc sur les poissons, également sur les plantes. Donc j'ai fait une recherche approfondie donc en ce qui concernait les plantes, et il s'avère que déjà, j'ai fait une faute, c'est-à-dire que je n'ai pas acheté de graines. Sachant qu'il y a la banane et le raisin dans les graines, je pense qu'il serait peut-être judicieux d'acheter des graines et au pire de revendre ceux qui nous servent pas. Mais déjà dans un premier temps, peut-être acheter les graines, ça serait peut-être pas mal. Mais j'ai également aussi noté les endroits où on doit aller pour aller compléter nos graines, comme ça on aura bien avancé au niveau des graines. Voilà. En ce qui concerne les poissons, j'ai également aussi effectué une recherche. Alors rien de particulier en ce qui concerne les poissons. En fait, ce qui va jouer, ça va être l'appât, tout simplement, puisque certains appâts vont demander des végétaux. Donc pêcher avec, je sais pas, une banane, une cerise, une mûre, peu importe. Ou alors, ça va être des morceaux de cailloux, des trucs comme ça, qui feront qu'on pêchera tel ou tel poisson. Voilà un petit peu le résumé. On va attaquer cet épisode donc tranquillement. On va laisser donc Robert et Olivia se reposer. Ah, Olivia l'a réveillée. Oui, Olivia, donc tu vas être la première qui va commencer la journée. Hop, tu vas fertiliser le buisson, comme c'est si joliment dit. Et tu vas peut-être un petit peu nettoyer, parce que chez vous, c'est pas très propre. Donc, comme dit lors du dernier épisode, du coup, en fait, on va faire une première partie où ça va être vraiment, se sociabiliser, essayer de se faire de l'argent, etc. Hop, on va payer de l'argent pour le remplacer. Est-ce qu'il y a moyen... Ah, du coup, elle se nettoie toute seule. D'accord, donc on va faire cette première partie comme ça. Donc, ils vont manger tranquille. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des restes? J'ai pas regardé. Ouvrir. Oui, il y a des restes, tu vas prendre une portion de ça. Toi, tu vas manger direct, tiens, comme ça tu vas manger avec Olivia. Ça va être tranquillou. Va manger. Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? Prends une portion. Voilà. Ah, tu veux manger sur le lit. D'accord, ok, c'est comme tu le sens en fait. Oh, mais du coup Robert il la rejoint sur le lit, c'est ça, c'est pas mignon quand même. Oh, vous avez vu au moins la somme que je dois payer pour les factures, c'est pas possible là. Là, il va falloir carburer, on va essayer de vendre des petits trucs. Je sais qu'on a des choses dans l'inventaire qu'on peut vendre. Donc comme par exemple les carottes, on va vendre tout ça. Je sais que ça va peut-être pas faire 4000, mais on va peut-être progresser. Peut-être se rapprocher. Aïe, 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 4000. Pourquoi 4000, c'est cher? En plus, on m'avait prévenu en commentaire qu'il fallait que je fasse attention, parce que ça allait me coûter cher, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Bon, là, on approche du premier, du 2000. C'est déjà ça de prix. Mais c'est méga cher. Sinon, il va falloir que je vende des meubles. Non. On n'a pas trop le temps. Ça, je l'ai déjà, je crois. C'est pour ça que je l'ai gardé dans l'inventaire. Emeraude. Oh, pff, 20 Sims Flouze, c'est pas la folie non plus. Ouvrir ça. Toi, il faut que tu plantes ça. Non, tu l'as pas mis? Alors, faut le mettre. Voilà. Et on va vendre le reste. Ça, on va vendre. On vend vraiment le maximum, là. Ok, on arrive à 1000. On va faire vendre des trucs, je crois. Sinon, on va être dans le pétrin. Qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qui vaut le plus? Aïe, aïe, les meubles vont devoir y passer. J'ai pas trop le choix. Ça coûte combien? Ça coûte... Ah, 400$. Bon, on va le vendre, Faut vraiment qu'on vende le plus de trucs. On a des trucs dans l'inventaire ou pas? Non. Ce qui est agaçant un peu, c'est qu'en fait, Olivia, en emménageant, en fait, elle a pas ramené d'argent, en fait. Et ça, c'est assez embêtant. Oh là là, il va falloir que je vende tout, en fait. Il va falloir que je garde que l'essentiel. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça. On est à 2000, on est presque à la moitié. Bon, on va vendre les petites décorations. On les remettra si on arrive à se faire de l'argent. Mais là, pour le moment, c'est un petit peu la galère. On va vendre ça. On va vraiment garder que l'essentiel, ça. On va le vendre. On est à 3000. Ça, on va le vendre. Ah, ça me fait tellement mal au cœur de tout vendre comme ça.
La décoration s'influence sur l'humain, donc ça m'embête un peu de la retirer. Du coup, ça. Ça aussi. On va décaler comme ça. 3500. Qu'est-ce que je peux retirer d'autre? On va peut-être essayer de voir, du coup, pour mettre un lit de place. Voilà. Bon, bah, les tableaux vont devoir y passer. De toute façon, j'ai pas trop le choix. 4159. Et Olivia va peindre le reste et on va racheter un lit. Allez, hop. Nettoie ça. Et Olivia, tu vas l'y peindre. On a vraiment besoin d'argent. Olivia, faut que tu nous sauves. En attendant, Robert, il va pêcher. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Allez, pêcher. Hop, tu vas pêcher à l'arrache. On a besoin de beaucoup de poissons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on a eu un My Sims. On l'a déjà celui-là, hein, Yuki. Yuki. On l'a déjà. Du coup, ça nous fait un peu d'argent. C'est nickel. 4082 Simflouz. Il nous en faut 305. 4305 Simflouz. Donc, on va les laisser avoir un peu d'argent. Tiens, il y a une copine qui pêche avec nous. Et Robert, il n'aurait pas pu s'habiller avant de pêcher quand même. Donc, du coup, nous sommes avec Amélie Martin. Amélie Martin. Qui est juste une connaissance. On va essayer d'être amis avec elle. Tant qu'à faire. Faire connaissance. Voilà, on va faire connaissance en même temps qu'on pêche. Même si normalement on n'est pas censé parler quand on pêche pour éviter de faire peur aux poissons, on va quand même faire cette interaction. Tout de même. Alors, est-ce que ce poisson-là, on l'a? Si on l'a pas, on le vend. On l'a, 16$. Tac. Celui-là aussi. Hop là, on s'en rapproche justement. Il nous reste encore 200 simflouz à avoir. Ça, c'est plutôt pas mal puisque j'ai dépensé en fait Simflouz pour donc faire un tableau de paysage. Et normalement, je gagne 185 Simflouz. Donc, ça veut dire qu'on se fait un bénéfice de 185. Donc, on va peut-être continuer un petit peu pour qu'on puisse acheter le lit double. Et en attendant, Robert sympathise avec Amélie. Est-ce qu'au moins leur relation... J'ai l'impression qu'elle n'augmente pas de fou. Hein. Non, ça marche pas en fait. Quand ils pêchent, ils peuvent pas faire connaissance en même temps. C'est vraiment dommage. Hein. Le temps donc que Olivia donc, peigne et tout, je pense qu'on va juste ramasser ce qu'il y a autour. Comme ça, ça va respawn dans la nuit. Donc, on va ramasser tous les petits cailloux qui traînent chez nous. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es mal à l'aise? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as pris une mauvaise douche. Il y a des joueurs comme ça, Robert. On peut pas tout avoir. Hein. Donc, je pense qu'on a eu une bonne récolte. Ah oui, on a plein de trucs qu'on n'a jamais eu, il me semble. On va aller voir ça tout de suite. Alors, donc, nous avons donc ça. On l'a déjà, la pêche. On l'a pas deux fois, non. Ok, donc, on va revendre ça déjà. Quoique, non. On va pouvoir appeler le conseil scientifique pour qu'il nous fasse un échantillon. Celui-là, on l'a pas. On va l'exposer. Phozonite, on l'a. On l'a, la phozonite. On peut rien faire avec. Hein. On va avoir un échantillon, du coup. Et ça, on l'a pas. Le métal lourd. À quoi que? Métal de la mort. Métal lourd, non, on l'a pas. On va l'exposer ici. Voilà, ensuite en ce qui concerne les grenouilles, ça c'est toujours compliqué les grenouilles. Grenouille terre rayée, est-ce qu'on l'a? Et on l'a pas, nickel. Grenouille aubergine rayée, je pense pas l'avoir vue. Dans son pire, il faut qu'elle ressemble à quoi? Faut qu'elle soit rayée, non? C'est ça? Voilà, faut qu'elle soit rayée. Terre surfeuse. Surfeuse soleil. Ah! Grenouille aubergine rayée. Grenouille terrier. Grenouille aubergine. Ok. Hop, on va la vendre. Ça nous fait 10 simflouz déjà. Et on va l'exposer là. Voilà. Et on va ouvrir les deux coffres qui se trouvent ici. Donc là, on a assez donc, pour payer le loyer. Donc je pense qu'Olivia va s'en charger. On va également aussi récupérer les cartes postales, je pense. Allez hop, c'est parti. Arrête de jouer. C'est bon, tout à fait. Vous avez commencé votre collection d'éléments, félicitations. Pour la mettre, vraiment, on va la racheter. Ah oui, il faudra acheter le présentoir. D'accord, on a eu tout ça. Alors, donc on a eu la carte Riverview. Donc on va mettre ici également la carte Apula Plains. Mais on l'a déjà celle-là, mince. Bon, bah c'est pas, ça nous fait de l'argent. Et on va acheter donc le tableau. Le tableau qu'on va exposer ici si j'ai de la place. Tableau. Est-ce que déjà j'ai assez d'argent? Pourquoi je le trouve pas? On va taper ça. Voilà.
Présentant des éléments, c'est bon, on a assez. On va le mettre là, comme ça. Nickel. Après, on le bougera, hein, je pense, selon les trucs. Est-ce que on peut le mettre direct? Non, c'est à elle de le mettre. Non? Comment on met? Ah, comme ça. Ok, nickel. Bah voilà, on a un nouvel élément. Ça, c'est assez cool. Ça marche pas alors que je viens d'appeler. C'est quoi le souci? Qu'est-ce qui se passe? Non, toujours pas. Toujours pas. On a plein de choses à faire. On ne peut pas sortir. La pêche est composée d'assassins. Ah, d'accord, ça me donne juste des infos. Et pourquoi je peux l'envoyer? Robert doit tout. Ah! D'accord, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Oui, il faut que je l'envoie, donc il faut que je retourne sur mon terrain. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Alors, déjà, ça, on va le vendre. Je sais qu'on l'a déjà. Alors, du coup, envoyer au conseil. Envoyer au conseil. Voilà, et on ouvre le dernier coffre. Est-ce que... Ah! C'est peut-être le dernier trophée qui nous manque. Enfin, le dernier. L'un des derniers. Parce que ça va être de plus en plus compliqué. Et oui, on l'a pas celui-là. On va regarder les My Sims, tiens. Où on en est, les trophées My Sims? Eh, on avance bien quand même. 13 sur 20, ça va aller très très vite. Donc, comme dit, on va acheter un litre de place. Donc, on va devoir acheter le moins cher, qui est donc celui-là. Voilà, on fait des petites économies. Là, pour le moment, je dois vous avouer que oui, ça ne ressemble à rien, effectivement. Mais on va essayer de se faire de l'argent au fur et à mesure. Et je pense qu'on pourra donc bien remeubler notre petit logement. Première journée est déjà finie, donc du coup ils vont pouvoir dormir ensemble. Ça va être la première fois qu'ils dorment ensemble. C'est-il pas mignon? Le coup, Robert se lève carrément très très tôt, mais comme ça il pourra attaquer la journée en premier. C'est peut-être pas plus mal. Ah bah, j'avais pas capté que j'avais au moins 1 milliard de fruits. Ça, on va les revendre ça. Voilà, rien que ça. Ça, je peux pas faire moite-moite, c'est dommage. Mais voilà, on arrive déjà à 1000 simflouz, comme ça on va pouvoir faire attention donc aux prochaines dépenses. À la prochaine facture qu'on aura, j'espère que ce sera pas 4000 simflouz, parce que je dois vous avouer que c'est vachement cher quand même pour deux personnes, 4000 simflouz. Qu'Olivia se réveille, on va aller sur le PC, on va s'occuper donc du coup de des correspondants. Ah oui, déjà, c'est quoi les créatures du vide, ça? Ah oui, c'est le jeu, donc on va acheter les graines. Donc fleurs, fruits, c'est les fruits qui nous manquent, il me semble. Hein. Fleurs, je crois qu'on n'a pas spécialement besoin. Ouais, c'est que les fruits. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ouvrir le sachet de graines. Ok, donc c'est bien ce qui me semblait. Ah, j'appuie sur quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette magie? Ok, alors, donc j'ai oublié de planter du coup la jacinthe. On va la planter. On va également planter du coup le raisin et la banane. Voilà, donc ça nous fait déjà des fruits en plus là. Bon, tu sais quoi, tu vas jardiner, tu vas tout récolter et tu vas arroser. Donc en attendant, Olivia, donc toi tu manges tranquille, tout va bien. Oh, elles sont desséchées les plantes. Voilà, ça nous fait de l'argent en plus, waouh. On a quand même pas mal de choses. Ça y est, on a de la pomme de terre, c'est officiel. Ça aussi c'est officiel, ça aussi c'est officiel, tout est officiel. Nickel. Eh, on monte un empêche niveau argent. Plutôt pas mal. On va peut-être pouvoir bientôt remeubler la maison au final. Ah, le courrier, on a peut-être reçu notre carte postale, qui sait. Tiens, ouais, toi tu dois aller aux toilettes. Ah mince, t'aurais pas dû jeter les déchets. Faut les garder pour faire une plante poubelle. Alors Robert, maintenant que t'as fini, tu vas aller prendre le courrier. On va voir ce qu'on a reçu aujourd'hui. Ah, mur de notification. Oui, 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 j'ai compris, oui. Oui, mais si tu me laisses pas vider le mur, ça va être compliqué. Voilà. Hop, alors qu'est-ce qu'on a eu? On a donc eu, oui, les éléments qu'on a commandés, on va pouvoir les afficher sur le tableau. Voilà. C'est très joli en tout cas. Alors, donc je n'étais donc au correspondant avant que le courrier arrive. Donc nous avons écrire. Ah non, c'est donc. Je me rappelle plus. Discuter. Demander une carte postale de. Je crois qu'on les a tous en fait. Il faut écrire une lettre à. Barnack Bay, je crois. Je vais aller vérifier. Je me rappelle plus tellement. Il y a tellement de villes là. Narclays, Little Haven, Upon the Plains,
Moonlight Fall, Riverview. Ah, il faut demander une carte donc à Midlow machin machin. Je me rappelle plus du nom, ça y est. Discuter, demander une carte postale à Midnight Hollow. Voilà. Et on va donc aussi faire discuter, consulter les réponses aux demandes de correspondants. Alors, comme on a fait un petit peu tout ce qu'on devait faire, du coup, ce qu'on va faire... Ah, non, c'est pas ça. Je veux juste me déplacer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un endroit qui se trouve, donc, à Winterburg, où apparemment, il y a plein de plantes qu'on n'a pas spécialement. Il s'agit donc... Alors, que je regarde... Voilà, ici, la propriété Von Hunt. Apparemment, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas. C'est vrai qu'on connaît notre auberge, j'avais oublié. Donc il y a pas mal de choses, donc il y a du citron, il y a des cerises, il y a de la tomate, il y a des fruits mûrs, et il y a des roses, voilà. Donc ça nous fera déjà un petit truc en plus, et ça nous permet aussi de nous balader. Bah tiens, c'est les fantômes qu'on trouve sur les tableaux. Mimsy et Bernard. Faudrait quand même que je m'intéresse à cette affaire parce que c'est un petit peu une histoire, un petit peu à la Sonia Gothique qui leur est arrivée. Il me semble qu'en fait, ils sont brûlés dans ce château-là et qu'il y a toute une histoire un petit peu mystérieuse où on doit essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement. Voilà. Vous voyez, là, on les voit sur les tableaux. Faudrait quand même que j'ai envie de m'y intéresser, j'ai envie de savoir l'histoire. Voilà. Donc, en attendant, ça va être Robert... Vu que lui, il a un défi... Pourquoi ça marche plus? Voilà. Qui a donc le défi d'être ami. Et ça va être Olivia qui va donc tout récolter. Amical. Faire connaissance. Voilà. Alors, donc Olivia. Qu'est-ce qu'il y a, Olivia? Toi, t'es jamais contente, en fait, Olivia. On va faire le tour. On va aller voir. Ah, ça doit être par là, je pense. J'ai trouvé du premier coup. Alors, de souvenant. Jacinthe. Ah, de toute façon, on peut pas récolter les produits. Ah ça c'est embêtant, faut faire en fait à chaque fois une première visite avant de pouvoir récolter. Donc on va juste vérifier. Pommes de terre, épinards. Épinards on n'a pas, hein. Ouais on n'a pas. Fraisier on a. Oignons on a. Carottes on a. On va repérer, ouais en fait ça va être vraiment ici. Là il n'y a rien je crois. C'est immense, le terrain est tellement immense. Et là il y a quoi? Ça mène où ce petit chemin d'ailleurs? Comme s'il y avait un truc de caché. Non, bah non, il n'y a rien de caché. Oh, c'est quoi ce vieux bug, là? Pourquoi c'est tout blanc? Ah, ici, on peut faire un feu de bois. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Ici, j'ai jamais été vraiment... Enfin, jamais exploré ce côté-là. J'ai déjà été ici, mais sans vraiment regarder. D'accord. Okay. Oh, bah c'est charmant, ici. C'est vraiment très joli. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de beau avec la donne jardin romantique. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Du coup, toi, tu vas faire ta vie. Écoute. Et Robert va sympathiser avec Mimsy. Et Mimsy s'est barré. Elle s'est volatilisée, donc on va parler avec Bernard. Peut-être que ça va être plus efficace. Ah, il est enjôleur. Toi, t'es comme ça, mon petit coco. T'es comme ça. On va faire connaissance également. Tous, en fait, à chaque fois que je leur parle, ils se barrent. Comment voulez-vous qu'on fasse ami-ami? Bon, bah du coup, on va se redéplacer. Alors, que je regarde un petit peu. On va aller au quartier 3 d'Oasis Spring. Apparemment, il y a des choses. Alors, par contre, c'est quoi le quartier 3? Parce que moi, j'ai juste ça marqué. Quartier 3 et 4, j'en ai aucune idée d'où c'est. Oh! Oh là là, bon, c'est peut-être là. Non, ici on a déjà été, hein. C'est peut-être là, ici, il m'a l'air d'avoir des trucs. On va aller là. Allez, hop, au hasard. Toujours avec Olivia. Donc on atterrit dans ce terrain-là et on va voir si j'ai eu un bon feeling. Chrysanthème, on en a des chrysanthèmes d'ailleurs? Il me semble hein, qu'on en a. Parce que j'ai cru voir donc sur un site que c'était rare d'en avoir. Mais je me rappelle plus si j'en ai. J'ai pas l'air d'en avoir des chrysanthèmes. C'est pas ça? Si, j'en ai des chrysanthèmes. Bah alors c'est pas rare. Il a dit n'importe quoi le site. Alors, on va voir aux environs ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Parce que du coup là, on est entouré donc de trois terrains. Ah voilà. Par exemple, vous voyez, il y a des cailloux.
Il y a des cailloux. Là, il y a quoi? Oignon. Carotte. Ah, là, il y a un autre caillou. Ah, là, on peut chercher des grenouilles. Olivia, va chercher des grenouilles. Là, on l'a déjà sélectionné. Oignon. Sauge. Là, on peut pas aller sur cette terre-là. Oh! Ça a du mal. Je force, hein, on sait jamais. Si avec un bug, je peux aller sur ce terrain. Là, ici, tu peux aller creuser. Ici, il n'y a rien. Là, sur le côté, il doit bien y avoir quelque chose. Là, il n'y a rien. Là, non. J'ai cru que c'était un caillou qu'on pouvait casser, mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est quoi? Un cerisier, tiens. Ah non, mince. On peut pas le récolter pour le moment. Bon, on saura au moins qu'ici, il y a un cerisier. Au cas où, et je crois que c'est tout. Ah, ça c'est quoi ça? Chrysanthème. Ah, ça c'est la maison que j'ai utilisée pour faire la vidéo, donc le kit plein air. Je la reconnais. Je me disais, tiens, c'est bizarre, je connais cette maison. Bon, voilà, on a récolté donc tout ça. Ce qui est plutôt pas mal. Vas-y, ouvre. Celui-là, je crois qu'on l'a déjà. Toi, t'as quoi? On l'a déjà. Celui-là, on l'a déjà aussi. Allez hop, on va rentrer à la maison du coup. J'ai oublié un caillou, vite. Nickel. Uranium, en plus je crois qu'on l'a pas. Ah bah tant mieux, heureusement que j'ai vu le caillou, hein. Ah, il y en a un autre. Bah alors, j'en ai loupé plein en fait. Ça doit être un fossile. Estrala fossile. Roche fossile, est-ce qu'on l'a déjà? Non, on l'a pas. Roche fossile extraterrestre, on l'a pas. Je suis un petit peu étonnée quand même. Nous voilà rentrés. Donc on va déposer un petit peu nos trouvailles. Donc nous avons Utranium. L'Utranium qu'on va mettre. Qu'on ne peut pas poser. Je ne sais pas pourquoi. On va le mettre par terre en attendant. C'est peut-être pas très classe, mais c'est déjà. Ça pris. Alors effectivement, on ne l'avait pas l'extraterrestre. Ça non plus, je peux pas le mettre. Je vais le mettre. Par terre en attendant. Alors, les My Sims, il me semble qu'on les a déjà ceux-là. Alors, oui, le socle rose et Old Gabby. C'est pas grave, ça va nous faire de l'argent en plus. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en attendant. Alors, je vais juste re-regarder les collections. Parce qu'il y en a certaines que j'ai pas forcément commencé, que je pourrais commencer. Ah ouais, non, ouais. Image du microscope, pierre spatiale. Non, c'est image spatiale qu'il faut faire. Faudrait que je me renseigne de comment faire parce que je dois vous avouer que là, je ne sais pas trop. Géode, non. Créature du vide. Non plus. Ok, bon bah voilà. Donc on va faire simplement comme d'hab, un petit peu de pêche. On va juste peut-être inspecter l'eau. Cette fois-ci, on va essayer de faire les choses bien. Et Olivia, toi tu vas peindre parce qu'on va avoir besoin vraiment, vraiment de beaucoup d'argent. Peindre toile popard. Ah oh, tiens, une grande toile popard. Allez, hop. Alors, donc l'eau. Je crois que c'était végétaux. Hein. Tout du moment que c'est biologique, qui demande à l'hameçon. Ok, très bien. Donc, on va ouvrir le frigo. Je sais qu'on a encore quelques trucs. On va prendre, tiens, les oignons. Allez, hop, tu vas pêcher avec des oignons. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être une réussite ou pas? Attends, c'est ça du popard? C'est pas très joli, mais ça se vend. 230 simflouz quand même. C'est pas mal du tout. On va peut-être en refaire une autre, tiens. Toile popard. Hop. Et je crois qu'en plus que lorsqu'ils sont inspirés, les Sims, ils vendent encore mieux leur toile. Ça, par contre, c'est vraiment super beau. 231 simflouz, moi, je vendrais ça plus cher. Il y a une grosse fête au chalet en ce moment même. Est-ce que tu veux y aller? Non, toujours pas. J'ai pas le temps de sortir. Allez, va, je pense aussi, elle m'en empêche. Hein. Elle reçoit beaucoup d'appels et. Ah mince. Ah, faut réparer ça. Mais par contre, Robert, lui, rien. Niette. Comme les poissons, tiens. Il a aucun pêché, aucun nouveau poisson. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait peut-être qu'il aille dans un autre lac. J'en ai aucune idée. Mais c'est toujours les mêmes poissons qui pêchent pour le moment. Je suis mauvaise langue, je crois que ce poisson-là, le scalaire, je crois qu'on l'a pas. On va les vérifier ensemble. Et non, je ne l'ai pas. Nice, 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 nice. Ça, c'est bueno. Voilà, un nouveau. Bon, au moins, on a pêché un nouveau poisson. C'est déjà pas mal. Un deuxième?
Non, celui-là, on l'a déjà. Bon. Et voilà, le deuxième jour donc de cet épisode s'achève. Donc, on va se laisser ici. Bah, écoutez, je remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, on se retrouve pour le sixième épisode très prochainement. Normalement, là, j'essaye de poster tous les deux jours. Donc, normalement, dans deux jours, vous aurez le sixième épisode. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, sur tous les réseaux sociaux qui existent pour que le monde puisse connaître Robert et Olivia. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ouais, cailloux, grenouilles, etc. On va s'occuper un peu d'Olivia. À déterrer une capsule. Oh, merveille. Ah, tu vas enlever la nourriture gâtée et tu vas manger. C'est pas ça qui est gâté, non.